ça a été créé en 2010. Donc on est une association bénévole. On a commencé grâce au Hornet justement du Canet avec Didier qui est le manager de l'équipe. En fait, moi je donnais des cours de danse dans une école. Ils avaient besoin de pom-pom girl donc on s'est présenté. Et c'est comme ça que j'ai créé l'école de pom-pom girl puisqu'à la base je donnais juste des cours de danse dans une autre école de danse mais vraiment il n'y avait pas de pom-pom girl à la base. La différence des autres écoles de danse, c'est qu'on est très très familial, donc tout le monde a sa place, les petites, les grandes, les grosses, les maigres, voilà, celles qui savent bien danser, celles qui savent moins danser. On s'adapte, avec Cindy justement, on essaye d'organiser nos tableaux pour que tout le monde puisse le faire. Donc on a des répétitions, donc nous on est là du lundi au samedi pour les cours, et les pom-pom girls, elles ont à peu près 2 ou 3 répétitions par semaine. Tout dépend en fait les événements qu'on a, puisqu'on enchaîne beaucoup d'événements, pas que les Hornets. Ça a commencé en fait en 2010, on dansait donc dans le jardin de Didier puisqu'on n'avait pas de local, on était une petite compagnie, on était 8 danseuses. Ensuite l'année d'après on s'est retrouvé à 50 donc il a fallu qu'on cherche vite une salle. On a trouvé une salle, on a trouvé ce local ici. Didier il a donc trouvé des sponsors pour qu'on puisse faire les travaux dans cette salle qui n'était pas du tout aménagée, on a dû tout faire. On a fait les travaux en 3 semaines et on a ouvert donc depuis septembre dernier ici dans ce super local très grand.